Bonjour, et ben ça y est, le grand jour est arrivé, enfin sur la ligne de départ. Et ben je me sens plutôt pas mal. J'espère que voilà, je vais faire honneur à mon entraînement et à mon coach Didier qui m'a bien soutenu, ainsi qu'au club, et que voilà, je vais profiter du parcours et de toute l'organisation. Ben là, je sens bien, l'entraînement s'est bien passé. Un peu de nerfs, un peu appréhension, mais excité aussi. J'ai hâte que ça passe bien. Ben écoute, je me sens plutôt pas trop mal. Après, on se sent toujours super bien avant une course ou très mal. Et c'est souvent quand on est très mal qu'on fait un meilleur temps. Alors, je sais plus quoi dire au niveau du chrono. En tout cas, c'est l'été indien dans cette Normandie. Voilà, il y a beaucoup de monde. Ça va être super sympa. Je pense que voilà, je vais prendre beaucoup de plaisir à courir. Bah, ça y est, on y est là, après trois bons mois de prépa, en pleine forme, les entraînements sont bien passés, il n'y a plus qu'à voir sur la course, quoi. Quand même, on a eu une bonne météo et bon, moi personnellement, je devais faire en moins de 4 heures, j'ai calé au 30e, mais bon, dans ces moments-là, après, on finit avec le mental, quoi. Et puis le principal, c'est d'aller chercher la médaille, puis le beau t-shirt de finisher. Je suis très content de la course, j'ai parti bien de le début, juste devant le chef de file 3:45. J'étais très bien jusque les derniers quelques kilomètres, j'ai commencé à avoir des crampes, mais là, je suis très très content de 3:48 pour 3:45. Bon, ben, ça y est, c'est fini. Donc, j'ai terminé, ça y est, j'ai la médaille. Alors, ça n'a pas été simple. J'ai quand même pas mal souffert tout le long du parcours et notamment à partir du 15e kilomètre. Mais bon, finalement, il y a tellement une bonne ambiance, il y a tellement de gens qui soutiennent le long du parcours, entre les bénévoles, le public, le parcours est vraiment très agréable. Voilà, j'ai été jusqu'au bout et ça sera une très bonne expérience. Le contrat, bah, il n'est pas rempli. J'avais dit entre 3h45 et 4h, 4h15. Bon, vu l'âge, j'acquiers la sagesse, je perds de la vitesse. Voilà. Mais je me vengerai l'année prochaine. Et un jour, certainement sur le podium, quand je serai Master 7 ou 8.